qui a posté le résultat parce que les Williams ayant tourné seulement avec des pneus usés et le plein d'essence, donc c'était un résultat posé hier. Pedro Lamy, c'est lui que vous voyez en ce moment, numéro 20, la Minardi Ford, avec ce moteur-là, bon, c'est probablement le moteur le moins performant en Formule 1. D'ailleurs, on utilise le châssis de l'an dernier. Tiens, Jean Lézy qui a beaucoup, énormément de choses à se faire pardonner chez Benetton, comme tu l'as dit en début d'émission. On souhaite qu'il réussisse à Montréal à faire oublier le pire début de saison de sa carrière. Oui, on voit que pour les pilotes, autant pour Berger que pour Alési, ça demande beaucoup de concentration. C'est un effort psychologique énorme que de faire un temps de qualification. Et on voit les pilotes en train de se préparer. Alors, c'est Giancarlo Fisichella, le numéro 21, dans la Minardi Ford, qui a établi pour l'instant le standard. Mais ça va changer, ça n'a pas de doute là-dessus. Voilà Pedro Lamy, lui, qui va tenter de se qualifier en principe sans problème. Vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation cette année. Alors, les voitures doivent se qualifier à l'intérieur d'un temps donné. Sinon, elles sont éliminées. Elles ne participent pas au Grand Prix de dimanche. Ce fut le cas des Fortiford, d'ailleurs, à quelques reprises depuis le début de la saison. Oui, les Fortiford ont quand même beaucoup évolué depuis l'année dernière, mais c'est pas encore tout à fait au point. Ici, on voit Schumacher qui va se préparer à embarquer dans sa Ferrari. Alors, la Ferrari qui est dotée d'un nouveau museau. On a changé un peu l'avant de la voiture. Question de la rendre encore plus performante ici à Montréal, parce que c'est un circuit montréalais, qui avantage jusqu'à un certain point la Ferrari. Un peu comme à San Marino. Oui, disons que Ferrari a toujours bien performé ici à Montréal. Quoique, bon, l'année passée, ils ont remporté le Grand Prix suite à un abandon, mais un problème mécanique de la part de la Benetton de Schumacher. Donc, cette année, ils sont dans le coup, on les attendait pas. Et c'est bien parce que chez Ferrari, on fait des évolutions techniques légères, mais là, on vient vraiment de faire quelque chose de révolutionnaire, de changer un museau en plein milieu de saison. C'est quand même c'est audacieux. Ben, tout à fait. Mais ça fonctionne. Hein? Mais ça fonctionne. Quand je disais tantôt que la Ferrari est avantagée jusqu'à un certain point ici à Montréal, c'est que dans les virages, ben Schumacher est aussi rapide que les Williams, par exemple, autant que Villeneuve ou encore que Damon Hill. Ça se garde pour la Ferrari, évidemment, dans les lignes droites. Et le nouveau droit du casino dont on a parlé là depuis quelques jours maintenant dans le cadre de nos reportages, avantage bien sûr la Williams-Renault. Mais enfin, faudra voir, on sait que notre ami Schumacher a enlevé 2 pole positions depuis le début de la saison. On va faire une pause publicitaire, on revient tout de suite après avec le Grand Prix Molson du Canada à l'antenne de SRC Sport.